Hey, salut, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur AMS2 comme la précédente. J'ai voulu faire ça à la suite parce que c'est très très gros les gars ce qui arrive. Je vais parler comme Legends. Frérot, c'est une dinguerie. Non, franchement, c'est énorme. Je viens de recevoir un pack. Je vous mettrai la page du modeur dans la description pour avoir full GT3 sur AMS2. C'est juste incroyable. Alors, c'est peut-être pas nouveau, je veux dire, on pouvait peut-être s'y attendre, puisqu'il y a maintenant 4 ou 5 circuits qui viennent d'arriver, donc tous issus de Pécars 2. Là, c'est la même chose, c'est une conversion. Alors, ne faisons pas les difficiles, ne commençons pas à dire, ouais, c'est Pécars 2, ça va être pourri. Je vous le dis clairement, c'est l'avantage d'avoir le modding et la qualité des textures et du modding de Pécars 2, avec l'avantage d'avoir la physique et le FFB de MS2. Avec tout ce qui fait MS2, météo, saison, enfin bref, je vais pas vous refaire le topo, vous connaissez certainement. Toujours pareil, assez facile à installer, enfin, non. Comment je vais vous le dire? C'est chiant à installer, mais une fois qu'on a pris le tour, c'est facile. Il y en a plusieurs par rapport à ma dernière vidéo sur le circuit Tsugo qui m'ont dit qu'ils allaient essayer, qu'ils ont fait qu'ils ont passé le cap, et franchement, ils ont réussi. Donc, que ce soit circuit ou véhicule, c'est pas bien compliqué. Donc on va aller voir tout de suite dans le jeu ce que vous propose ce mode. Alors il faut pas me demander à moi le mode, il faut demander au mec. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Il l'a pas mis sur un site, Race Department ou autre chose. C'est lui qui donne les liens en fonction. Donc moi j'ai fait une petite donation sur son PayPal. Je trouve ça totalement logique. Maintenant libre à vous de faire ce que vous voulez, mais pour le boulot, très honnêtement, et vous allez voir sur le pack qu'il donne, normalement il n'y a pas que les GT3. Mais ça je vous ferai une autre vidéo plus tard. Allez c'est parti, on se retrouve sur le jeu. Et de base, nous avons forcément ici les GT3, donc la McLaren, la Porsche, la Mercedes, la Nissan dernièrement arrivée, et ici la BMW M6. Donc moi, je reviens ici. Donc en fait, ce qu'il a fait, c'est vraiment pas mal, c'est qu'il a proposé plusieurs skins en fonction des différentes catégories. Donc la première, c'est ici les 24 heures. Donc vous voyez, les 24 heures, les 12 heures de Bathurst, excusez-moi, donc Porsche, donc il y a des skins appropriés, sur certaines catégories, on n'a pas le choix du skin, là il y en a 3, c'est déjà pas mal, on va faire un retour, donc hop, la Nismo, la M6, la R8, qu'on n'avait pas précédemment, et la Z4, qu'on n'avait pas non plus précédemment. Ensuite, je passe, nous avons la catégorie du Blancpain, donc là c'est la full, hein, de toute façon, hop, je remets la Ferrari, la McLaren, la Porsche, la Mercedes, la Bentley, la Nissan, la Lambo, la M6, la R8, forcément LMS, l'Aston et la Z4. Alors je sais pas si on a plusieurs livrets. Ouais, vous voyez, l'Aston, on n'en a qu'une. Alors, est-ce qu'on en a qu'une? Ouais, on en a qu'une. En fait, comme je vous disais, selon les catégories. Donc on a fait Blancpain. Ici, nous allons faire la DAC. Donc pareil, on va voir s'il n'y a qu'une seule livrée. Il y a plusieurs livrets. Donc en fonction des catégories, vous allez voir, il y a plusieurs types de skins où il n'y en a qu'un. Et franchement, vous voyez les skins. Pareil, c'est les conversions, donc c'est vraiment très très bien fait. Ensuite, ici, nous avons la version du NURB. Et est-ce que c'est tout? Non, il y a la version également Spa 24 heures. Donc voilà, en gros, vous voyez, il y a vraiment énormément, énormément de boulot. C'est très, très bon, franchement. Je vous le dis clairement, je spoil déjà la vidéo qui suit derrière. J'ai pris mon pied à rouler avec, c'est super bien. Alors forcément, ce n'est pas les dernières évolutions de voiture. Chose très importante qu'il m'a dit de vous faire venir comme information, les sons sont les sons d'origine des véhicules. On ne peut pas les modifier visiblement, ou alors Raysa ne donne pas les droits aux modeurs de modifier les sons des véhicules. Donc voilà, c'est les sons tels qu'ils étaient à l'époque, bref. Il faudra s'en contenter en tout cas pour l'instant. Mais on voit que ça avance vraiment, 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 que ça commence à devenir énorme en termes de contenu. Et puis, de toute façon, je pense que Le Mans et tout ça, tous les véhicules et tous les circuits venant de Pécars 2 vont être modés. Et en plus, d'autres choses qui vont arriver également, donc avec d'autres modeurs qui font d'autres choses. Vous voyez, ça commence à arriver de partout. Donc, je redis et je le répète, essayez vraiment de vous y mettre. N'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des soucis. J'ai un Discord, je pourrais vous le donner aussi si vous voulez dialoguer un peu plus facilement. Mais franchement, c'est franchement pas très compliqué. Rébarbatif et chiant, oui, mais une fois que vous y êtes, vous avez accès à vraiment pas mal de choses en plus. Donc je vous le conseille encore une fois vivement.
Qu'est-ce que je pouvais vous dire d'autre? Là, je vais vous faire une course sur un achat de 2 tours. C'est pour ça que ça dure un petit moment, mais voilà, ça vous permet de voir un petit peu les différents véhicules et une petite course sympa avec évolution du temps. J'ai pas été très bon d'ailleurs, mais voilà, c'est juste pour vous montrer. J'ai pas voulu vous faire tous les véhicules un par un, ça aurait pris beaucoup trop de temps. Là, je vous laisse découvrir si vous voulez. Et puis voilà, je vous laisse là-dessus. On échange dans les commentaires. Je vous laisse faire le petit like si vous voulez faire comme à son habitude. N'hésitez pas si vous voulez faire plaisir au modeur pour récompenser son travail, lui donner un petit PayPal. Et nous, on se laisse là-dessus. Je vous dis bonne découverte pour la vidéo, une bonne journée et à plus. Tchuss. Allez, c'est donc parti. 2 tours sur un Notch Life version 24 heures. À bord de cette Lamborghini. Alors, il y a 2 tours, ça devrait être assez rapide. Et on essaye de faire le cycle un peu accéléré pour avoir aussi une météo, en tout cas le temps de piste de route qui soit fin de journée. Ou la McLaren là qui fait du gauche-droite. Il y en a un petit peu mais rétro, parce qu'il y en a un peu de partout, on est plus d'une trentaine. Et le petit rétro que vous voyez juste là. On va s'assurer en restant à l'extérieur ici. Ça passe tout juste. Oh, j'ai dû bien freiner ici. Alors j'avais peur, franchement, je vous le dis très clairement, d'un FFV tout pourri, mais c'est pas le cas. C'est pas une conversion au rabais. On profite de la modélisation des voitures qu'il y a eu dans P-Cars 2. Et on rajoute la physique et le FEB d'AMS2. Et je vous laisse deviner ce que ça peut donner. Parce que moi, franchement, je prends plus de plaisir là que je peux l'avoir sur. Ouf, ça passera pas ici. Sur ACC. Alors, certains crieront scandale de ce que je viens de dire. Mais c'est pour moi le cas. Regardez, on est sur la version du circuit en hiver. Avec les arbres dépourvus de leurs feuilles. Sinon un peu de mal. Alors par contre c'est vrai, hein, il faut dire les choses comme elles le sont. On va pas pour l'instant en tout cas jouer en ligne avec ce mode, ça c'est une certitude. Regardez-moi, c'est la Nissan, la BM devant. De pointe, on n'est pas trop mauvais. Bon, j'ai pas fait de setup, hein, dit clairement. Alors, je me répète peut-être, je sais pas si je l'ai dit pendant l'intro, mais vous fiez pas au son. C'est les sons d'origine qui étaient sur P-Cars à l'époque. Malheureusement, je crois que c'est très compliqué d'ajouter des sons sur le modding d'AMS. Soit les vendeurs n'y ont pas accès, je ne sais pas. Ça se bagarre là, entre la McLaren, la Nissan et la BM. Là, ça colle derrière. Et du train avant. Température
Sanchez. 0.9. Voiture à gauche, dégagée à gauche. Allez, est-ce qu'on pourra essayer de les doubler? C'est vraiment pas le circuit idéal pour ça. Ah, regardez-moi ça, ces couleurs. Il est vraiment magnifique ce jeu. C'est quand même à chaque fois une claque qu'on prend selon les conditions. Vous voyez du deux roues là. L'heure où je fais cette vidéo, au moment où je fais la vidéo, j'ai pas testé toutes les voitures. Voiture à droite. C'est la première que je teste, cette Lambo. C'était juste derrière. Je l'avais pas vu. J'ai entendu le coup de chiffre le dire, mais je l'ai pas forcément vu. J'étais un petit peu en train de me concentrer sur le banking. Donc je peux pas vous dire au niveau des autres véhicules, mais il n'y a pas de raison. Hein. S'il y a la Lambo, la conversion identique sur AMS, les cars, il n'y a pas de raison que ce soit mauvais. Ça ne glisse pas, il n'y a pas de cette sensation de glisse qu'on avait sur les cars. On a bien la sensation du travail du train avant. Vous voyez, je me bats un peu avec la voiture. Oh, le soleil qui m'aveugle là. C'est pas du chiquet, je vous le dis vraiment. Comme je ressens, c'est pour ça que je préfère faire des vidéos commentées en direct pendant que je roule. Même si des fois, je peux raconter des petites bêtises. Vous avez au moins le ressenti directement. La partie rapide qui va arriver. D'ailleurs, ça n'attend qu'une chose, c'est que je me plante. Bon, cette McLaren, on va se la doubler ou pas? Allez, on va prendre bien le virage là ici, ça va être la ligne droite. Ah, il m'a fait ralentir lui. On va se prendre la spi. Ouh, voilà, je me fais bouffer en vitesse de pointe là où je rêve. J'ai mis trop d'appui. Allez, pousse-toi. Ah. Wouah, free ride. Oh, mais c'est quoi ces furies derrière là? Oh non, mais là ça va finir au top. Derrière, il faut qu'il y en ait un qui lâche. Carton. Ouh, carton. Il y a eu touchette, il y a eu touchette, monsieur, et il y a eu un gros carton derrière, je crois. On arrive sur le dernier tour, donc le deuxième. C'est le dernier tour, demi-distance, bon carburant. On va essayer de rattraper juste devant. L'écart à Sanchez. C'est devant maintenant. 2 points, 2 secondes.
Alors vraiment, comme sur le dernier circuit que je vous ai présenté récemment, je vous invite à tester. Pour ceux qui sont sur AMS, sur ACC, hein, forcément ils vont peut-être pas l'essayer, mais moi, je trouve ça vraiment hyper propre. On va arriver sur la fin d'après-midi là, ça a commencé à se voir je pense. Celui-là, c'était plus vite que ça. Hein. Sanchez. Derrière en front. 1.4. Regardez-moi ce soleil entre les arbres. J'ai l'impression de me répéter, mais... Ah, il a ses défauts ce MS2, hein, notamment en termes de stabilité réseau. Mais alors pour le reste. Mettre les phares. Hop. Je sais même pas si sont actifs, je ne vois pas là. J'ai pas essayé. Les rétros, oui. Enfin les rétros, les suiglas, oui. Mais pas les. Pas les phares. Allez, faut que je revienne sur ceux de devant. On va mettre un petit peu de piment. Failli la perdre là. Ouh là là. Il y a du bon monde là-bas. On va essayer de rattraper tout ça. Ah, ça revient fort derrière, il faut que j'accélère un petit peu le rythme. 5.3 secondes. C'est là où tu accélères et tu la perds et tu finis dans le rail. Ils sont juste là, bon sang. Sanchez. 2.3. Ça roule le vent, du mal à rattraper. Hein.
Et je les entends à gauche à droite, comme il y a des portions qui se recoupent un peu. Je parle pas beaucoup, on sentait la concentration. Ah, lui, il m'a déposé. Ah non, il vient de découvrir les feux. Je l'avais pas mis. C'est magnifique. Ah, c'est... Bon, à côté de ça, j'ai perdu une place. Combien je suis ? 14e, wow, c'est respectable. Regardez-moi ça, coucher de soleil. Je suis pas là pour apprécier la beauté de la MS, mais c'est pas négligeable. Cet intérieur de toute beauté. Il va avoir un freinage et on va en rester là, donc sur ce mode complet de GT3, juste incroyable. N'hésitez pas à me donner votre ressenti sur ce mode, sur ce que vous en pensez, hein. Est-ce que ça vous intéresse vraiment d'installer, est-ce que pour vous c'est bullshit et que ça sert à rien du tout. Bon, en tout cas, j'y ai pris vraiment du plaisir et je pense qu'avec tous les modes qui vont suivre derrière, ça va vraiment occasionner pas mal de bonnes choses. Et peut-être que ça va amener d'autres modeurs à me proposer tout ça. Donc moi, en tout cas, j'en suis super content. Mais je vous laisse là-dessus. J'espère que la course et la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire avec le petit pouce et les petits commentaires qui vont bien comme d'habitude. Nous on se laisse là-dessus et je vous dis à une prochaine. Tchuss.